Hey, salut à toutes et à tous, c'est Damien, ou Goaling pour les intimes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le Far Cry 3. Attendez, là je fais les réglages et tout, voilà, oh là, c'est bon. Allez hop, on lance le jeu. Donc, oui, alors j'ai à vous parler intimement. Oui, donc j'ai fait, donc aujourd'hui on est vendredi, donc hier c'était jeudi, donc j'ai fait jeudi matin l'épisode 2. L'épisode 2 que vous ne verrez jamais. Putain de merde, ça me casse les couilles. Oui, j'avais donc tout bien fait, j'avais tout paramétré. Cette fois-ci, je m'étais pas loupé sur le 1080p et le 720p. Mais au moment où j'ai fait exporter le fichier Audacity sur sur mon ordinateur, enfin bref, on s'en fout. Il y a eu une coupure ou je sais pas trop quoi. Mon ordi s'est éteint subitement. Donc, ça a merdé. Et donc. Oui, voilà. Denis, ouais, voilà. Putain, j'ai eu peur. Donc, ouais, ça a merdé. Donc, vous aurez pas l'épisode 2. Parce que bon, il y a plus l'audio, quoi. Je peux vous dire que sur le coup, j'avais vraiment le seum. Bon, là, il y a Denis qui parle, donc je vais me taire. Il y a Delish. C'est quoi le mais tout ça? Un bateau échoué sur une plage tout près. Et gardé par des pirates. C'est la voix du guerrier, Jason. Si ton corps est prêt, ton esprit suivra. Ton corps est prêt. Le tatouage t'apportera son aide. Qu'est-ce qu'il me parle de tatouage, lui? Bon, on l'appelle du Médusa. Va falloir répondre. Bref. Donc, alors. On va pas aller vite, on va parler bien. Hein. Alors, je vais vous résumer l'épisode 2 que vous ne verrez jamais. Me le demandez pas, je l'ai pas, j'ai pas d'audio. Donc, je vais vous le résumer. Alors, nous étions la dernière fois ici, à l'avant-poste d'Amaneki. Village ô combien granuleux de la ville d'Amaneki. Qui a été découvert en 1516 par Christophe Colomb. Oui. Non, mais pourquoi je dis ça? Bref, allez, on s'en fout, on est... Oui, je suis en train de péter des câbles. Donc oui, j'avais délivré l'avant-poste d'Amaneki. Et donc, à l'épisode 2 que vous ne verrez jamais, je tiens à préciser. Je suis donc allé et parti en voiture au pylône de radio, à ce pylône de radio que j'ai délivré. Ouais, ça fait que j'ai fait le truc de l'électricien, là. Donc je me suis dit, allez hop, on va faire un peu de conneries. Je vais aller délivrer ce camp-là, le quai de Valsa. Voilà. Donc je suis allé le délivrer. Et je suis allé ici. Ici, où j'ai... Donc c'est la maison d'un docteur, où il a recueilli une amie à moi, une des amies, donc... qu'on s'est perdu, enfin voilà quoi... Parce qu'on était un groupe d'amis, on s'est fait capturer par des fous furieux, voilà, enfin bon bref. Donc elle a recueilli une des amies à moi, et sauf que cette amie est malade, manque de bol, hein, on n'a pas de chance. Hein. Donc il m'a dit d'aller chercher des champignons. Enfin, des champignons, d'aller chercher un champignon, parce que c'est un radin, Jason. Il a, ouais, je sais pas, sa copine est malade, hop, non, qu'un champignon, alors qu'il aurait pu en prendre plein, enfin bon bref. Hein, là n'est pas la question. Donc je lui ai rapporté son champignon et donc j'ai eu l'appel de Denis Rousseau là, Denis Brognard. Et voilà, donc il faut aller au Médusa. Attendez que je réfléchisse si je crois que j'ai autre chose à vous dire mais je sais plus trop quoi. Oui parce que donc ça c'est l'épisode, ce n'est pas, je vais pas l'appeler l'épisode 3, celui que vous êtes en train de regarder là maintenant tout de suite. Je vais l'appeler l'épisode 2,5 parce que ce n'est pas entièrement l'épisode 2. Ni l'épisode 3. Donc c'est l'épisode 2,5. Voilà, c'est pas non plus très compliqué à comprendre. Donc je peux vous garantir que j'avais vraiment le seum. Parce que bon, voilà quoi. C'est là où l'aventure commençait vraiment. C'est là où je commençais à péter des câbles tout seul, à me faire taper des délires. Je rigolais tout seul et tout. Mais l'audio a foiré. Donc bon, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau départ. Moi, je vous dis que cette aventure, elle commence bien. Elle commence au chapeau de rue. Oui, chapeau de rue.
Même d'avenue, peut-être. Non, chapeau de roue, parce que là, c'est vraiment, vraiment la merde. J'aurais pas dû prendre le deltaplane. Attendez. Voilà. Ça, c'est pas mal, ça. On peut regarder la carte en plein milieu. Il faut que j'aille là. Voilà. Donc, j'espère que vous m'en voulez pas, hein. De toute façon, même si vous m'en voulez, je m'en fous. Non, je déconne. Non, mais bon, je suis vraiment désolé. Hein. C'est pas ma faute, faut pas m'en vouloir. Moi aussi, de toute façon, ça m'a énervé. Ça m'a beaucoup énervé sur le moment. Même maintenant, ça m'énerve encore. Surtout que j'ai commencé l'épisode 2,5 et que au bout de 10 minutes, Far Cry 3 a planté. Donc là, c'est la deuxième fois que je le recommence. Hey, c'est plutôt pas mal! Non, je vous dis en ce moment, j'ai vraiment pas de chance, que ce soit niveau vie personnelle ou vie sur YouTube, c'est que de la merde en ce moment. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ma vie personnelle. Donc, on va s'occuper un peu de l'histoire et on va s'amuser ensemble, tous ensemble. 1, 2, 3, c'est parti. Non, franchement, je suis vraiment, vraiment deg. Bref, je vais pas tout en faire tout en fromage. Donc oui, là, on a vu aussi, j'ai vu aussi dans l'épisode 2, que vous ne verrez jamais, que non, là je vais me prendre la montagne là, ouais, qu'il y avait donc des vestiges d'une guerre, comme je sais vraiment pas. Il faut vraiment qu'il arrête de me faire ça, hein, parce que oui, dans l'épisode 2 que vous ne verrez jamais, j'ai testé comment dire, Tain, je vais y arriver. Quelques véhicules. Fou là là, j'ai du mal, hein. Quelques véhicules. Attendez, normalement, il y a une voiture ici. Bon, bah, plus maintenant. Oula, il y a du tir ici. Oula. Grenade. Attendez. Ah, ben, j'ai tué un cochon. Je sais pas s'il y en avait un qui se cachait dans les fourrés, mais il a dû le sentir passer. Ouais, donc j'ai testé quelques véhicules. La Jeep. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Ah, c'est le poivreau. Salut. Donc la Jeep, le quad et donc bien sûr le deltaplane. Le deltaplane, que je précise, est vraiment très difficile à atterrir. Bon, là je me suis pas chié, mais je sais pas comment j'ai fait en fait. Enfin, il l'a lâché tout seul de toute façon. Donc, ouais, le deltaplane est vraiment difficile pour atterrir. Ah, bah, il y a plus de morts ici. Mais pourquoi ils tiraient ces glandus? Ah, mais il y a du connard ici. Oula, c'est une hyène titan. Mais mange-toi ça dans les dents, toi. Et attendez. Attends, je vais lui faire un toucher rectal à lui, hein. Voilà. Et dépecer l'animal. Ah, c'est pas mal. Hop, oh, du chien, non mais. C'est quoi ce jeu là? Putain, c'est n'importe quoi. Je sais même pas si je peux faire un truc avec des peaux de chien, vous. Donc voilà. Non mais me dites pas que je vais devoir y aller à pied. Je sais pas, non, mais je sais pas, soyez sympa un minimum. Et attendez. Non, c'est bon, normalement, il y a une voiture ici, ils me disent sur la carte. Alors, est-ce qu'ils m'ont mytho ou pas? Putain, mais il y a du monde partout sur cette île. Oh, t'es. Les vestiges, ma gueule. Attendez, je viens de me rendre. Non, mais vous roulez pas dessus, bande d'abrutis. Non, mais. Putain, mais je suis vraiment avec une belle bande de glandus. Non, mais. Oui, voilà, mets-toi du bon côté. Non, mais. C'est n'importe quoi. Oui, attends, je vais me rendre compte. Donc, oui, j'ai vu qu'il y avait des vestiges de la guerre du Vietnam, je crois. Alors, je sais pas du tout où est-ce que ça se passe, cette aventure-là. C'est-à-dire Far Cry. Je ne sais pas dans quelle île, alors je ne sais pas si c'est dans les Caraïbes ou si c'est en Indonésie ou pas, mais en tout cas il y a des restes de je pense, d'une guerre du siècle dernier. Je pense pas que ça soit bien loin, donc bon. Voilà, bref, si vous savez, moi je suis toujours preneur, hein.
Je suis toujours friand d'histoire. Bon, et là, il y a du feu. J'ai vu que le feu aussi, c'était pas super, hein. Oh là là, oh oui, je passe dans l'arche, je passe dans l'arche. Bon, j'espère que le... Non, c'est pas par là. Ah si, c'est par là. Ah non, 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 c'est pas par là. Oh, regardez-moi ça, eh oui. Pourtant, j'ai pas joué au dernier Need for Speed ni rien. Hein. Je suis nul, hein, au jeu de voiture, mais là... Là, je peux vous dire que j'ai géré, franchement. Non, franchement, 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 faut le dire, franchement. On y sera dans 30 secondes. Non, mais genre, il a appelé des renforts, là... Ah! Mais... Ah, la salope! Ah oui, t'as, y a le chemin par là. Non, mais il faut pas appeler les renforts, là. Attendez, là. Attendez, attendez. Attendez, on va se calmer, on va se poser. Arrêtez de faire n'importe quoi. Eh, mais il y a du diamant, là. Un fétiche héron. D'accord, un fétiche d'oiseau. Non, mais oui. Après, chacun ses religions, ouais. Mais bon, moi, personnellement, je vénérerai pas des hérons. Hein. Ah bon, on m'en voulait pas. Bon, donc, normalement, on y est tout prêt. Ah, c'est stylé, ça. Je savais pas qu'on pouvait le faire. Hein. Hein? Oh putain, ça va chier, moi je vous le dis. Moi je vous le dis, ça va chier, franchement. Non, je vais galérer parce que moi je suis pas super fort. Putain, j'ai pas la technique quoi. Jeter une pierre pour détourner l'attention. Oui, non, mais ça, merci, je sais. Bon, non, mais ouais, lui. Voilà. Pourquoi il m'a sorti ça, l'autre abruti? Non, mais je t'ai pas dit de prendre des photos. L'autre, il se prend pour Yann Arthus Bertrand. Quand j'y arrive, c'est mieux, non? Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Eh, mais c'est un connard aussi. Mais il est pas rouge. Oula, ça m'inquiète tout ça, là. Oula. Oula. Mais dis donc, y'a du connard ici! Oh là là! Fou loulou! Comme j'aime bien dire. Ah d'accord, bah ils sont deux. Putain, j'ai toujours pas de silencieux là, ça me saoule. Non mais, hé! Hey, rote pas toi! Rote pas sur mon let's play! Hop là, une pierre. J'ai balancé une pierre, hein. Ok, donc ça, c'est fait. Il est passé où, l'autre con? Non, parce que ça serait bête que je tombe dessus, quand même, hein. En mode, hey, salut, toi. Non, franchement, ça serait super cool. C'est par où, l'entrée? On peut courir? Non. Non, ouh, là, il y a du feu. Ça veut dire qu'il y a du people. Ok, il y a personne. Comme ça, ça c'est fait, hein. Putain, me faut vraiment un silencieux ou je sais pas quoi. Non mais faut vraiment que j'arrête de cutter à la place de m'allonger. Ah, c'est pas mal ça, encore en vite. Ah, ça je le savais pas. Enfin, peut-être que si, je le savais, mais j'ai oublié en tout cas. Oh là, putain, j'espère qu'il y a vraiment que ce connard là, parce que sinon je suis vraiment dans la merde. Non, il y a... Il a l'air d'y avoir que celui-là. Oula, mais il fait des bruits bizarres, lui. En même temps, ouais, c'est la nuit, donc bon, faut comprendre que bon, je travaille la journée, la nuit, journée à plein temps et tout, c'est la merde. Hein. Puis bon, c'est même pas un fonctionnaire. Hein. Hop, mais arrête de monter ton arme comme ça, là. Oh. Psycho, va. Bon, normalement. On est au bon truc. Éliminer discrètement les opérateurs. Mais oui, mais ils sont où, ces connards? Hein? Parce que là, y a rien, là. Il n'y en a pas, hein? Pff, j'ai
trop envie d'y aller à bourrer, hein. Moi, ça serait vite fait, bien fait là. Parce que là, ça commence déjà. Non, pas à me casser les couilles, mais bon. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Oh putain, je peux vous dire que j'ai eu chaud là. Ah. Ah. Du connard. Nos frères, oh là là, direct. Ta sentence sort à la mort et tout là. Oh. Oui, c'est parti, allez hop, à la chasse au trésor. Je te trouverai. Où est-ce qu'il a pu me spotter, le mec? Ça c'est vraiment pas. Hein. Faut que j'arrête de faire ça. Ni ça. J'ai encore du mal avec les touches. Ouais. Bon, normalement, tous les connards doivent être à l'intérieur du bateau. Du gros bateau, non? Oh! Je sais pas si on peut faire la Assassin's Creed. Non, je pense pas. Je pense pas. Non. Pas assez, c'est pas quand même, c'est quand même pas, ouais, c'est pas Hideo Itori ou je sais pas trop quoi là. Je connais rien à Assassin's Creed. Vas-y, va voir. Attendez, j'ai été. Oh putain! Je vous jure, j'ai flippé à mort que je sois repéré. Putain, ça commence bien. Bon, il y a tout qui marche. Ok, il y a tout qui marche. Putain, je me suis fait spotter. Fait chier de merde. Oui, fait chier de merde, oui. Vous avez bien entendu. Attendez. Bon, donc on va y aller moins à la bourrée là, hein. Ça sera mieux je pense. Excusez-moi, petite interruption familiale. Bon, ils sont où les connards là? Non. Quand je vous dis que je suis un boulet. Mais je sais pas où est-ce qu'ils sont, hein. Non, franchement, je vois pas. Oh, attendez. Hein? Non, non, c'est juste des bidons. Ouais. Attendez, y a pas un. Je sais pas. Non, pas là. Oh, putain. Sac avec un manuel. Manuel. Éliminer des. Bon, mais les opérateurs radio, ils sont où? C'est mal indiqué sur la carte, je trouve. Ah bah t'inquiète pas, ça peut se faire. Ah, il y a du connard là-bas. Normalement je me fais pas spotted. Vas-y. Allez. Non mais. Mais. Oh là là, mais je pige rien moi. Attendez, il y a des fusées qui partent là. Je comprends rien, je tire sur un mec. Ils me disent qu'il faut pas que je me fasse repérer. Je tire sur un mec avec une arme pas silencieuse et j'y ai rien qui se passe. Non, ouais, je pige rien. Ah d'accord.
Ah bon, mais faut que je descende alors. Me disait aussi. Attendez. Oula, voilà, encore une interruption familiale, il y a du monde chez moi. Ça prouve que je ne vis pas seul. Donc, alors on va aller buter du connard. Bon, faut que j'arrête de faire la glissade là parce que ça va vite, vite fait me saouler. Hein. Mais par contre, je sais pas pourquoi ça me... Ouais. Pourquoi ça me monte les corps alors que je leur ai déjà fait un toucher rectal. Alors, il est où? Où il est là, le méchant? Il est là, le méchant. Et pourquoi il tire des fusées, lui? Ok, je me suis fait défoncer, mes gens. Vas-y, hop, récupère ta vie, toi, là. Pff, oh là, moi et la discrétion, franchement. Allez, hop. Ah! Faut que j'aille en haut. Bon, normalement... je peux y aller en courant puisque j'ai tué tout le monde normalement. Là, par contre, si je trouve sur un mec, ça va pas le faire du tout. Bon, là, oui, je suis un peu plus sérieux parce que bon, quand même, faut pas faire trop le con. J'ai pas envie de trop galérer de faire trop souvent des échecs parce que bon, c'est gavant, je pense, à force de regarder tout le temps un mec qui se chie parce qu'il fait des conneries. Mais vous inquiétez pas, on va aller capturer un camp après. Si j'arrive à monter sur cette putain de planche. Alors, c'est là-haut. Ouais. Non, c'est pas là-haut. Si, c'est là-haut. Si, c'est là-haut. On monte par où? Ah, voilà, c'est par là. Allez, 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 allez. C'est par là. Bon, ben voilà, on va enfin y arriver. Moi, bon, j'espère que... Oh, qu'est-ce que c'est? Oh yes! Ah, c'est bien ça! Ah, c'est un gilet, une sorte de. Ouais, de gilet pare-balles, ouais. Ouais, bah oui, c'est marqué, si tu comptes. Il demande des rançons, mais il m'a dit de trouver des acheteurs. Ouais. Une fois qu'on aura récupéré le fric des parents, on va les vendre au marché noir et les livrer aux acheteurs. On est payé deux fois? C'est trop fort. Hey! Fermez vos gueules! Quelqu'un a déclenché une alarme, je rêvais d'où ça? Bande de débiles! On est à côté! Je le vois d'ici! Merde! Ah oui, je pense, oui. Je suis prêt. C'est maintenant ou jamais. T'es prêt à quoi là? Non, 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 mais là ça sent pas bon là. Là ça sent pas bon moi. Ça arrive à me poser. Oh là 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 là. Ah oui, un truc aussi que je trouve vraiment bien. Tu vas cro... Ah putain. Que je trouve vraiment bien, c'est que sur Far Cry 3, c'est que il faut vraiment pas beaucoup de balles pour tuer un mec. Et ça, c'est vraiment super réaliste, je trouve. Ouais, bon, par contre, eux, ils veulent pas crever. Wouah. Il m'a balancé une grenade. Banzai. Ah bah les cochons. Oh, je lui mets un chargeur dans la gueule, ça lui a pris le respect. Bon, lui, il aura plus jamais mal aux dents. Là, par contre, là, je suis dans la merde. Là, je vais vous le dire, franchement. On va pas se mentir. Non, 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 non. Et tais-toi, je suis pas foutu. Non, mais oh. Comment je suis mort? Non, mais me dites pas. Putain, ça commence bien. Bon, je crois que je me suis pris une grenade dans la tête. Et en général, les grenades, ça fait pas du bien. Ça, je peux le reprendre toujours, ça fait pire. Bon. Allez. Ouvrez-moi ça, bande de débiles. Enfin, bande de débiles. Le mec, il est un peu tout seul, mais sinon, c'est pas grave. Eh oui. J'ai une idée. Mangez-vous ça dans la tête. Non, je l'ai pas lancé assez loin.
C'est ce que j'avais dit. Ah, cette fois-ci, je ne sais pas trop mettre deux. Putain, mais oh là là, mais ils sont partout, ils sont partout. Mais regardez-moi ça. Cours, Forest. Ouais, cette fois, oui, je vais y passer. Ouais. Il y a de fortes chances, en effet. T'es mort. Ouais, c'est peut-être à cause du bidon là que je suis mort. Ouais, lui il est crevé. Lui, il l'est maintenant. Ah non, 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 ça sent le pâté. Allez hop, la double, ça fait toujours plaisir. Lui aussi, il est crevé. Putain, faut pas que je me trompe de touche. Ça va aller mieux comme ça. Allez, boah! Voilà! Ah, Denis Roger. Denis Rousseau. Les pirates ont envoyé un message. Jason, va, je veux tous nous tuer. Pas le temps de parler. Reviens à Amanaki tout de suite. Il faut que tu nous. Je vais tous nous tuer? Oh bah merde, je savais pas moi. Non mais attends, il se fout de ma gueule là. Allez hop, ma petite touche rectale. Sachez de. Ah, ouais, ça ira bien pour le docteur. Enfin, le docteur allemand, quoi. Hein? Bon, voilà. Non, j'arrive pas à dire son nom, donc. M'en voulez pas. Faut pas m'en vouloir, hein. Non, non. Bon! Ben, voilà une bonne chose de fait, hein. On a une perception accrue. On a de. Je vais y arriver, je vais y arriver. Non, mais je vous jure, je vais y arriver, hein. On a défoncé du connard, on va dire. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Poste de tir. Non, vas-y, comme ça, c'est bien. Oh. Et je peux tirer sur eux? Non, quand même pas. Ça serait méchant. Oui. Bon, ouais, voilà. Oui, non, vas-y, roule pas surtout. Allez, go, on est parti. Donc oui aussi j'ai... Oh putain. J'ai remarqué aussi, alors j'avais pas fait attention, mais dans l'épisode 1, j'avais pris un véhicule pour se déplacer, donc j'avais pris une voiture et j'avais même pas fait attention s'il y avait une radio. Et donc oui, en parlant de ça, donc j'en viens au fait. Donc oui, il y a bien la radio, je sais bien et tout. Et on m'a dit qu'il y avait une chanson de Skrillex, avec Damien Marley. Qui est d'ailleurs mon intro qui... Ouais c'est la musique de mon intro. Donc oui, je tenais à vous dire que si vous avez des chansons de dubstep, d'électro ou encore de drum and bass, je suis friand. Bon, la drum and bass c'est pas trop ça, mais bon. J'aime bien, j'aime ça. Oula, il y a du connard ici, t'es. Allez, mange ça. Attendez, je vais me faire chier moi. Allez! Bouffez ça! Un Scarface! Un Scarface, les porcs! Putain, en plus, je me marre tranquille comme ça. Bon, par contre, ma voiture fume un peu. Oh, c'était violent ça! Eh, mais attendez, on est au village d'Amanaki là! D'Amankiki? Oh, ah, mais j'en avais fait ça, un truc comme ça dans mon épisode 2. Je vais vous montrer ça. Donc, récompense 175$, 250$. C'est pas mal. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert l'XP. Donc, si vous savez à quoi ça sert. Enfin, dans ce jeu, en général, je sais à quoi ça sert, mais dans ce jeu, je sais pas. Bon, eh bien, on va faire ça. Allez, go! C'est par là. Voilà, voilà, voilà. Et le code il est bien, mais il est pas super à pour conduire. C'est vraiment pas logique ce que je viens de dire. Non, il est pas maniable, voilà. Bon, autant dire que la mission est foirée, hein. Ah ben non, ça va. Et quand je rentre dans le mur, c'est encore mieux. Ah, oh ben non, je vais garder le quad. Hein. Il est en bon état. Enfin, il est en bon état. Bah, si on peut appeler ça en bon état. Oh, c'est bizarre, il met pas le contact.
Moi je sens que c'est, tu vois, c'est des trucs comme ça qui me gâchent le jeu. Allez go. Arrêtez de dire des conneries. Bon, voilà. Non, oh j'ai loupé, oh deg. Je crois que je viens de rouler sur quelqu'un là, non? Vu le bruit que ça a fait. Qu'est-ce que c'est? C'était une... Je sais pas ce que c'était, hein, mais bref. Non. Alors là, je peux vous dire que... Ah merde, on peut pas passer. Dommage. Moi, je serais bien rentré. Yep là. Non. Non, non, j'ai pas envie de lui parler, non. Non, non, non. Non, non, je vais aller faire... Attendez. Il reste 15 minutes de... Il y a mon chat qui s'invite dans la vidéo, c'est parfait. Ouais, je vais aller faire ça. Allez, hop. Non, oui, Denis, non, je t'ignore, Denis. Denis Brognard, je t'ignore. Oui, non, ouais, si, c'est par là. Allez, go. Donc, attendez, je vais voir ce que c'était. Ah, donc, j'ai roulé sur... Putain, c'est vraiment pas... Sur une chaise. Bon, bref, hein, voilà. Donc, c'est par où que ça se passe? Attendez, là. Non, c'est pas là. Ok, c'est par là-bas. Go! Donc oui, j'ai envie, ouais, de délivrer, ouais, parce qu'au moins ils m'embêteront pas dans cette région-là. Et je pourrais faire mes missions tranquillement. Puis j'ai envie de tous les avoir, les postes, donc bon, il faut bien commencer quelque part. Hein. J'aime bien le bruit du quad. Ouh, c'était pas une bonne idée. Ouh, c'était pas une bonne idée. Bon, ben on tombera pas plus bas. Hein. On tombera là. Non, mais... Non, mais si, je sais bien conduire. Hein. Bon, va falloir arrêter de faire le con là, parce que là, il y a... Là, oh, on rentre dans les choses sérieuses. Enfin, non, pas du tout. On va continuer. Ah ben oui. Je pense aussi. Attendez, attendez. Non, vous préoccupez pas de moi, vous préoccupez pas de moi. Attendez. Ouais, je pense que c'est mieux comme ça. Oh, oh là là. Bon. On va arrêter de faire les conneries, hein. Ça sera mieux, je pense. Non, mais bon, faut pas m'en vouloir non plus. Oh, mais en plus, j'ai pas de munitions. Je pars délivrer des camps sans avoir de munitions. C'est n'importe quoi, ça. C'est Nawak. Non, si, ça va. Ok. Donc, hop, je désactive l'alarme. Ok, donc ça c'est une bonne chose. Ah mais ce qui... Ouh lui. Voilà, hop. Lui, il aura plus jamais mal aux dents. Lui aussi. Ah, il est où? Oula, mais oh, va falloir se calmer là. Ah là, lui, je l'ai détendu. Non, oui, tu peux aller sonner l'alarme, vas-y.
éclate-toi. Et le dernier. Waouh, mais c'est quoi cette arme? Non mais dites-moi pas que c'est pas vrai, mais... Oh, mais quel bisu. Ah, me faut absolument des armes. C'est des munitions surtout, parce que j'en ai des armes. Mais j'ai pas de munitions. Bon. Allez, go. Regarde, je viens d'avoir un stress et j'ai cru que depuis tout à l'heure je parlais avec mon micro muté. Arrête de faire cette putain de glissade. Bon, alors on va refaire la même chose. Ouais, c'est vrai qu'il fait chaud. Alarme toute désactivée. Bon, déjà ça c'est une bonne chose. Je vais m'occuper de celui de là-haut. Non. Non, comme ça c'est mieux. Non plus. Comme ça c'est mieux. Non mais il est complètement con, mais tu vas pas le... Mais l'autre. Mais il y a des ennemis contre lui, il sort un appareil photo, mais c'est n'importe quoi. Oh. Non mais... La technique de l'appareil photo. On remarque avec le flash peut-être. Non, ouais, non. C'est une excuse bidon. Hein. Non, mais quand même, ce que j'ai été honnête, c'est qu'en 3 balles, il a été mort, le mec, quand même. Non, mais comme je vous dis, franchement, ça, c'est une bonne chose. C'est vraiment une très bonne chose. Donc, on va pas faire de glissade. Waouh! Ninja! Ninja. Allez. Non, oui, par là. Bon, je vais essayer de faire ça le plus... Ouais, je le... sans me prendre trop de dégâts non plus. Voilà. Mais à chaque fois... Mais je dois avoir un bug de manette, c'est pas possible. À chaque fois, il me sort l'appareil photo, cet abruti. Bon, toi, ça va être ton tour. Non, ça sert à rien de faire des bruits avec ta langue, tu vas y passer. Hein. Voilà. D'ailleurs. Non, mais c'est la merde, moi je vous le dis. Eh, mais il y a encore du people là? Oula, le soignement en plus du délibération de camp, c'est pas super, hein. Aucune alarme déclenchée, ouais, je sais, merci. Normal, en même temps, bon, voilà, quoi. Rebelle motivé. Rebelle de la forêt motivé. Non, mais c'est bien d'être motivé. Motivé, motivé, il faut rester motivé. Oh, ça, je verrais bien Denis chanter ça. Bon, donc c'est une très bonne chose. Ouais, ouais, je sais, merci. Non, par contre, il me faut vraiment des munitions parce que là, ça va pas le faire du tout. Là. Faut que j'aille chasser aussi. Faut que j'aille à chasse. Non, faut que j'aille à chasse. Voilà, 60 balles au moins. On ne sera plus dans le besoin. Attendez. J'en ai pas fini. Je regarde qu'est-ce que je gagne. Arme de poing. Non, on s'en fout. Fusil à pompe. Ouais, non, faut toujours que je les achète. Fusil sniper, ouais, pareil. Pff, oh là là. Fou loulou. Alors. Bon, donc, il me faut. Est-ce qu'il y a du cochon là? Ouais, si c'est par là. Marqueur. Là.
Non, ouais, parce qu'il me faut me faut m'équiper là, parce que sinon ça va pas le faire du tout. Mais genre vraiment pas du tout. Un aventurier à poil en général ça marche pas souvent. Hein. En général. Après t'as des mecs comme Tarzan quoi, bon. Mais bon, faut gérer quoi. Non mais comme ça aussi, de descendre d'une voiture comme ça, c'est bien aussi. Moi j'ai oublié de freiner moi. Putain. Aventurier moisi, ouais. Complètement moisi, comme cette voiture, voilà. Vous voyez? Voilà, comme cette voiture, je suis moisi. Enfin là, aventurier, pas moi. Hein. Bref. Alors, il me faut du cochon. Ah! Oh bah t'es doublette. Putain, qu'est-ce que c'est bien fait. Oui, c'est vrai que c'est dégueu, oui. En effet. Plus que le bruit qu'il fait, quoi. C'est répugnant. Alors, start. Confection. Non, ça, on s'en fout. Putain, il me faut de la chèvre. Oh, j'en ai marre. Ah, je peux faire ça. Ah, 2000$. Bon, déjà, ça nous laisse une... Ah, mais ça aussi, une kit de seringue, c'est pas mal. Attendez, j'ai vu un autre cochon, là. Coucou. Youhou. Copain. Où es-tu, copain? Petit poney. Petit poney, tu gambas dans la prairie, petit poney. Ah, il est là. Oh, le temps de réaction d'une huître qu'il a. Eh mais dis donc, c'est pas un cochon, ça. Tête de poupée. Ok. Allez, hop. Ça me dégueulasse. Alors, non, à chaque fois je me trompe de bouton. Confection. Non. 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 Donc je peux rien faire. C'est pas mal ça. J'ai pris ça pour rien. La chèvre, la chèvre. Je me suis encore trompé de mais... Ah. Il y a de la chèvre. C'est une chèvre, ça, vous. Ouais, c'est une chèvre. Il n'y en a pas plus près. C'est quoi ça? Non, mais ça, c'est un sanglier. Ça c'est au cochon, ça. Ça, c'est au cochon, ça. Ah, j'aime le cochon. Vous savez quoi, hein? Ben non, je vais y aller en voiture et je pense que quand je serai arrivé là, ben, ce sera la fin de l'épisode. Et je prendrai. Tu m'attaques pas, toi, hein? Non, ça va, t'es gentil. Mouh, qu'elle est mignon. Non, par contre, tu gaves les oreilles, mais genre en violon. Eh, mais. Eh, mais il est. Il est bugué, ce chien. C'est nawak. Alors. Non, alors là, c'est un chien, je le. Allez, vas-y. Attendez, j'en ai un. Tiens, prends ça, fumier! Voilà! Moi, je te roule dessus, moi. Par contre, je sais pas où est-ce que c'est. On va freiner, ça sera mieux. Par où est-ce que c'est? Si, c'est par là, ouais. Allez, go! Oula, par contre, là, elle est un peu pourrie, la radio. Ouais. Je sais pas comment on fait pour changer. Des stations. Je sais vraiment pas. Yep là. Coucou, salut les mecs. Genre il patrouille normal. Ça sert à rien de toute façon ici de patrouiller. J'ai tout délivré. Oh des feuilles vertes. Faut que je m'arrête. Je crois que c'est avec ça qu'on fait les potions pour se guérir.
Ah, de la marrante. Ça me fait toujours rire. Oui, je suis con. Mais ça en faut pas beaucoup. Ben, ça me fait sourire, ça me fait pas rire. Faut pas non plus. Hein. Ouais, voilà. Allez, go. Ouh, ouh, c'était beau ça. Ouh, c'était beau là. Là, j'ai géré là. Ah bah, les cochons. Allez. Moi, je fais du massacre de cochons aujourd'hui. Non, mais en même temps, ils sont en plein milieu de la route. Il y a pas de passage piéton. C'est mal fait ça aussi. Allez, on fait la course. La Fiat Panda. Je les ai envoyés chier. On pas fait longtemps chez eux. Allez. Non. Par contre, ouais, si vous savez comment on fait pour. Je peux vous dire que j'ai eu chaud au fait ça là. Si vous savez comment on fait pour. C'est pas par là. Pour changer de radio. Si c'est possible, bien sûr. Hein. Ok, je me suis complètement gouré de chemin. La vidéo durera plus longtemps que prévu. Et pourtant, j'ai mis un marqueur, mais ça y est pas. C'est quoi ce bordel là? Oh là là. Non, j'ai pas mis de marqueur. Ah, mais non. Là, normalement, il y a un marqueur. Normalement. Ouais, si, 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 normalement. Ouais, si, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Putain, je me demande. Mais non, mais c'est pas du tout par là. Mais oh là là, mais. Bon, je suis en train de me perdre. Écoutez, j'irai la prochaine fois en vitesse rapide. Au moins, ça ira plus vite. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas un j'aime, de vous abonner à ma chaîne YouTube, de partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux possibles au monde. Ouais, je pense que c'est un bon compromis. Tchuss!